Vandalisme assez particulier dans le secteur de Saint-Élie-de-Caxton. Amélie, c'est une statue de Jésus qui a été brûlée. Une statue, d'ailleurs, qui avait été restaurée récemment. Il y a à peine 3 ans et à grands coups. Donc, c'est une petite fille qui en a fait la découverte samedi de l'acte de vandalisme. Elle est entrée dans le tombeau dans lequel se trouve la statue de Jésus et elle en serait ressortie en pleurant et en disant à sa mère, le Jésus est en feu. Il n'y avait pas de flamme sur la vieille statue de plâtre, mais elle était noircie. Il y avait des débris calcinés dessus et on dit qu'une odeur de brûlé flottait toujours. Donc, l'acte de vandalisme aurait été fait dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a une plainte qui a été portée à la police et des images vidéo devraient aider à retrouver le ou les vandales. Les dommages sont évalués à 1 000 $ et on le disait un peu plus tôt, là, le tombeau se trouve sur le chemin de croix de Saint-Élie-de-Caxton qui est reconnu site patrimonial par Québec et qui a été complètement restauré en 2016 au coût de 104 000 $. Bien, merci beaucoup. Au revoir, merci. Amélie.